Je suis heureuse de vous retrouver dans votre émission Le Pouvoir de l'Espérance avec le pasteur Eddy Michel Carpin. Une petite pause musicale, cette fois-ci avec le groupe Ingrid en Louange qui nous interprète avec ce sauveur, juste avant d'entamer notre sixième étude biblique. Hallelujah. Parce que
Merci au groupe Engrais dans Louange. Oui, avec ce sauveur, il y a de l'espoir. Lao Tzu dit avec sagesse, c'est parfois dans une situation désespérée que jaillit l'espoir. Place à votre étude biblique avec le pasteur Eddy Michel Carpin. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Mesdames et messieurs, c'est toujours avec plaisir que Florine et moi, nous vous accueillons à cette série « Le pouvoir de l'espérance ». Merci d'avoir fait le choix d'être avec nous ce soir. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, froid d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ? » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. » Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Certainement, cette fable vous rappelle de très bons souvenirs d'enfance. Monsieur Jean de La Fontaine, écrivain du XVIIIe siècle, aurait utilisé cette forme d'expression appelée fable pour faire passer un message à la société de son époque. En effet, ces fables, sous forme de plaisanterie, lui permettaient de mettre en lumière une leçon de vie. Ici, une cigale et une fourmi. Personnellement, je comprends deux choix de vie opposés, deux visions de la vie, deux visions du monde totalement différentes, deux manières de penser sa propre vie. Une cigale qui ne pense qu'à l'instant présent, qui n'assure pas son avenir, et l'autre, la fourmi, investissant pour l'avenir. Et vous, quel est l'enseignement que vous tirez de cette fable? Son enseignement peut-il vous aider lorsque vous avez un choix à faire? D'ailleurs, qu'est-ce qui guide vos choix? Est-ce l'instant présent, comme la cigale, ce qui se présente à vous tout de suite, sans que vous y ayez pensé, sans avoir les implications pour le présent et même pour l'avenir? Au contraire, comme la fourmi, vous ne pensez qu'au futur que vous souhaitez avoir. Êtes-vous de ces personnes qui, comme la cigale, vivent au jour le jour, de celles qui ne pensent pas à demain, de celles qui brûlent la vie par les deux bouts? Il y a un côté très excitant dans cette manière de vivre, n'est-ce pas? J'ai découvert, il y a quelques mois de cela, une expression utilisée par la nouvelle génération. Je participais à un échange entre une mère, sa fille et moi, lorsque ce mot est sorti de la bouche de ces jeunes personnes. One life, une vie, je traduis. Il faut savoir que cette expression est utilisée essentiellement dans les domaines de l'amusement, des loisirs et des plaisirs. One life est finalement une philosophie de vie, un mode de vie qui signifie qu'il ne faut rien rater, saisir toutes les opportunités. Tout peut être essayé car nous n'avons qu'une seule vie. Cette façon de voir donne à ceux qui la pratiquent le sentiment d'invulnérabilité et le danger est minimisé, voire banalisé. Ou au contraire, es-tu de ces personnes, style fourmi, qui ne pensent qu'à demain? Toute votre vie est organisée par rapport à votre avenir. Vous avez construit tout votre schéma de vie autour de la réussite, où il ne faut penser qu'aux études et n'avoir la tête que dans les livres.
Pour vous, un jeune ne peut pas perdre son temps dans les amusements, les sorties entre copains et copines et les sorties cinéma sont à bannir. Car là où il y a fête, là où il y a le plaisir, et c'est là où l'on perd son temps, ce sont des futilités. Votre vie est planifiée comme une partition de musique. En observant ces personnes fourmis, nous pourrions avoir le sentiment qu'elles ne profitent d'aucun moment présent. La joie de vivre est quasiment absente de leur existence. Leur philosophie, le travail paie. Les moments de plaisir sont pour l'avenir, lorsqu'elles auront atteint leurs objectifs de vie. Plutôt que de mettre à dos ces deux styles de vie, celui qui ne consiste qu'à penser à aujourd'hui, du type cigale, face à celui qui ne pense qu'à demain, la fourmi, je vous propose de réfléchir avec moi sur l'intermédiaire, la possibilité de vivre aujourd'hui, mais aussi de penser à demain. Être un peu cigale, être un peu fourmi, car les deux extrêmes ne sont jamais très bons à vivre. Qu'en pensez-vous? Il y a un message porté par le texte biblique et particulièrement celui du Nouveau Testament. Un message équilibrant qui changera le cours de votre vie. Nous en avons déjà fait allusion dans nos précédentes réflexions. Ce message vous garantira non seulement un présent heureux, mais aussi un avenir sûr. Il se résume en peu de mots. Jésus revient bientôt. Êtes-vous informé de cette vérité? Qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt ou est-ce un mythe ou une fiction pour vous? Ce message du retour de Jésus et la merveilleuse espérance que je veux partager avec vous aujourd'hui. Le retour de Jésus vient vous donner de l'espoir face aux crises économiques, aux crises financières, à la crise du chômage, aux souffrances, aux problèmes climatiques, aux injustices sociales et économiques. En fait, le retour de Jésus est la solution qui vient régler tous les problèmes de cette vie. Afin de créer un avenir sûr, stable, harmonieux, paisible, sans souffrance et sans mort. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir penser à ce monde nouveau que Dieu vient mettre en place? Le retour de Jésus est la raison d'être du pouvoir de l'espérance. C'est cette espérance que je veux vous communiquer. Cette espérance portée par la Bible est essentiel pour vous et pour moi, car nos choix d'aujourd'hui, comme la cigale, déterminent également notre avenir, la fourmi. Ce message est une dynamite d'espoir qui remplira votre cœur de joie pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Savez-vous que c'est le thème qui fait que ce monde existe encore aujourd'hui et qu'il ne se soit pas encore autodétruit? C'est le retour de Jésus de façon visible qui marquera le changement de saison. Comme pour la cigale qui avait chanté tout l'été, mais lorsque le vent froid venu du nord annonçant l'automne commença à souffler, ce fut malheureusement trop tard pour elle d'aller chercher de quoi se nourrir. La cigale ne pensait pas au changement de saison. Elle se contentait de vivre, de chanter. Peut-être pensait-elle que le thé durerait pour toujours. Elle fut surprise, car le cycle des saisons nous rappelle que le changement de saison ne dépend pas de nous. Aussi, mesdames et messieurs, le retour de Jésus se fera que nous y croyons ou pas. Mais de préférence, je souhaite que cette réflexion nous invite, comme la fourmi, à savoir que notre monde ne continuera pas à être ce que nous connaissons de lui aujourd'hui. Le Christ reviendra pour un changement de saison. Vous pouvez, comme la fourmi, être attentif et être prêt pour ce changement porteur d'espérance. Mais qu'est-ce qui peut vous faire croire que Jésus reviendra?
permettez-moi de partager avec vous aujourd'hui trois points qui, pour moi, confirment cette vérité du retour de Jésus. Cette croyance repose premièrement sur une promesse de Jésus. La personne de Jésus est le personnage dont personne ne peut nier l'existence historique. Notre temps porte son empreinte, puisque nous disons l'an 2022 après Jésus-Christ. Il a été reconnu même par les autorités romaines roi. En effet, lors d'un échange qu'il eut avec Ponce Pilate, le gouverneur de la Judée de l'époque, Jésus reconnut qu'il était bien roi. C'est pourquoi Pilate fit graver une inscription en hébreu, en grec et en latin sur le haut de la croix de Jésus, sur laquelle était inscrite « Roi des Juifs ». Ce Jésus fit cette promesse. Il prit donc cet engagement devant ses disciples, mais aussi devant chacun de ceux qui croient. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, les versets 1 à 3, il dit ce qui suit, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Juste avant son arrestation, puis sa crucifixion, Jésus dit « N'ayez pas peur, mais croyez en ma promesse. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Il ne s'agit pas ici d'une fable conçue par les hommes, mais d'une parole prononcée par le roi Jésus, celui qui fut vainqueur de la mort et de Satan. Cette croyance au retour de Jésus repose deuxièmement sur un serment solennel. Lorsque Jésus fut arrêté par les autorités juives de son époque et fut amené devant les chefs des prêtres ainsi que devant les membres du Sanhédrin, et fut interrogé par eux, lors de cet interrogatoire, le grand prêtre lui demanda de dire devant Dieu, c'est-à-dire sous la foi du serment, de dire s'il était le Messie, le Fils de Dieu. Ce Messie était tout l'espoir du peuple d'Israël. C'était lui qui avait été annoncé depuis le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 16, et que tous les prophètes, y compris Ésaïe, avait nommé Emmanuel, Dieu avec nous. Voici quelle fut la réponse du Messie Jésus. Matthieu, chapitre 26, verset 64 nous dit, « Jésus lui répondit, tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Devant cette autorité juridique, Jésus a non seulement confirmé qu'il était bien le Messie attendu, mais a affirmé sous serment qu'il reviendrait. Waouh ! Incroyable ! Lors de ce procès dont la sentence le conduisit à la croix du calvaire, Jésus confirme ce qu'il avait promis à ses disciples, qu'il reviendrait. Ce qui veut dire que sa mort future ne l'empêcherait pas de réaliser cette promesse et ce serment. Je suis convaincu qu'en entendant ces paroles, votre cœur se remplit d'espérance. Je sais que ces paroles de Jésus ne vous laissent pas indifférents. Vous souhaitez être comme la fourmi, prévoyant pour votre avenir. Car oui, Jésus reviendra. Et il en a fait le serment. Le troisième élément qui me permet encore de dire que Jésus reviendra est celui qui a fait la promesse est encore vivant aujourd'hui. Les grands leaders de toutes les religions et philosophies dans le monde sont tous morts. Ils ne sont plus. On commémore leurs souvenirs, mais ils sont tous décédés.
Le christianisme a cette particularité. Son leader est toujours vivant. Car bien qu'ayant connu la mort, la vie lui fut redonnée. Les chrétiens, donc, ne parlent pas de quelqu'un qui n'existe plus, mais de quelqu'un qui est vivant et bien réel. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, qui fut disciple de Jésus et qui se trouvait sur l'île de Patmos, car il y avait été déporté à cause de la parole de Dieu, donc tandis qu'il s'y trouvait, il reçut un message réconfortant, non seulement pour lui, mais également à transmettre à tous les amis de Jésus, car le temps passait et Jésus n'était pas encore revenu. Alors, pour qu'il ne perde pas courage, ne pense pas que les promesses de Jésus étaient fausses. Jésus transmit à l'apôtre Jean ce message d'espoir qu'est le message du livre de l'Apocalypse, que l'on pourrait traduire par « révélation de Jésus-Christ ». Dans l'une de ses premières visions, l'apôtre Jean vit et entendit un être lui parler et lui dire « N'aie pas peur, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. » Le contexte et les mots utilisés ici nous permettent de dire avec exactitude que c'est Jésus qui parlait à l'apôtre Jean. Jésus qui le rassurait, « N'aie pas peur, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles, c'est-à-dire pour toujours. » Celui qui est vivant pour l'éternité peut donc tenir parole, il peut tenir son serment, n'est-ce pas? Oui, et cela est réconfortant. La plupart des auteurs du Nouveau Testament ont été des témoins oculaires. Ils ont vu, touché et mangé avec le ressuscité. Ils ont parlé et marché avec Jésus le ressuscité. Et en le quittant, il leur a promis qu'il reviendrait. Alors, puis-je croire que Jésus revient? Oui, c'est là mon espérance. C'est l'espérance ultime pour tous les chrétiens. Cet espoir du retour de Jésus, je peux vous l'affirmer et le crier à haute voix. Vivre dans l'attente du retour de Jésus, c'est être un peu cigale, mais c'est être également un peu fourmi. En effet, c'est un choix à faire maintenant et qui m'apporte la joie et la paix. Je sais dès aujourd'hui qu'il y a l'espoir, qu'il y a un projet sûr pour tous les êtres humains. Il y a un projet pour moi. C'est Jésus et son retour. La vie d'aujourd'hui, même stressante, pleine d'incertitudes, ne nous fait pas peur. Nous pouvons nous investir dans des actions humanitaires, dans des projets de vie, malgré l'instabilité qui nous environne. Tout en faisant cela, nous savons qu'il y a un avenir meilleur. Mon avenir est déjà tracé, il est déjà écrit. Il sera fait de vie, de sérénité, de partage, de joie. Il n'y aura plus de guerre, de souffrance, de querelle, de jalousie. La mort n'existera plus. Oh, c'est sûr que vient le printemps après l'hiver, l'automne après l'été, Jésus reviendra un jour. Quelle est ta position par rapport à ce changement de temps qui vient? Ce choix que vous devez faire, que je dois faire, n'est pas à reporter à demain, mais à prendre aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que votre décision doit être prise, car peut-être demain sera trop tard. La cigale chanta tout l'été sans penser à l'hiver. Je vous invite à réfléchir sérieusement à cette fable. La cigale, qui après avoir chanté tout l'été, se trouva surprise par l'arrivée de l'hiver. Je ne voudrais pas que vous soyez surpris par le retour de Jésus. Faites le choix de Jésus. Aujourd'hui, mesdames et messieurs,
c'est le choix de la fourmi à faire. C'est un choix qui m'oriente vers l'avenir. Le retour de Jésus est annoncé et se réalisera. C'est le moment pour vous d'accueillir cette parole d'espérance. Choisissez Jésus aujourd'hui. Lors de notre prochaine causerie, je vous communiquerai d'autres éléments qui me permettent d'avoir la certitude que Jésus reviendra. Alors je prends rendez-vous avec vous pour notre prochaine causerie sur la même chaîne, à la même heure. Mais surtout, n'oubliez pas, Jésus revient bientôt. La cigale et la fourmi. Bonne soirée et à bientôt.